Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Subnautica Below Zero. On reprend exactement là où on s'est arrêté. Et on va récupérer ça parce que c'est important. Et là, il y a un poster également avec un autre Léviathan, qui est le Léviathan qui garde le volcan dans le 1, dans Subnautica 1. Très sympa, très 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 sympa. Inventaire plein. Mais non. Mais non, monsieur. Je ne suis point d'accord. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Je n'ai rien à scanner par contre, hein. Vraiment, c'est un peu la loose. Ok, et par là, qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir. On va aller voir. Il y a encore des ressources. Est-ce que vu que je suis plein, j'irai pas d'abord déposer tout dans mon prône? Ouais, hein. On va tout déposer dans Zonia. Zonia est notre petite mule. On va la remplir. Dit comme ça, c'est tellement pire, c'est tellement glauque. Il faut pas. Il faut pas. Faites pas ça. Ah. Par contre, ça pose problème. C'est que. Voilà, j'arrivais pas à atteindre l'espace de stockage. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là sur le bureau? On t'a dit non. La dernière fois, t'as tout fait tomber. Le nombre de clics qui auraient pu être faits, oui. Mais non. J'ai dit non. Pas sur le bureau, chaton. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ok, on va déposer ça. En vrai, on peut déposer aussi quelques nourritures. Ça aussi, on n'a vraiment pas besoin de créer de l'eau potable. Chaton, il me saoule un peu. Il me saoule un petit peu. Il essaye absolument de monter sur le bureau. C'est ouf. C'est ouf. Mais oui, le nombre de clips qui auraient pu être faits, mais vous êtes des gens gentils, donc vous ne le faites pas, et ça c'est bien. Chat, t'es têtu, hein. T'es têtu. T'es très 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 têtu. Eh, on arrive dans une nouvelle zone. La mort, entre autres. Ah! Ah! Bon allez, je vais partir sortir la grosse moto toute l'après-midi. A plus tard tout le monde. Des gros bisous, amuse-toi bien. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment. Puis bah, à plus. À plus. Hop, hop, hop. Voyons voir. Ah! Ah! Salut! Salut! Il est gros, hein. C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. Le chat qui ronronne, j'ai cru que c'était Léviathan. Non, c'est le chaton! Regardez. Venez. Vas-y. Vous avez vu comme il ronronne trop bien? C'est le meilleur de tous les petits chatons, hein. Mon petit, le meilleur de tous les petits chatons. Mais oui. Eh oui, je viens de faire des câlins. Hein. Quelle horreur, je lui fais des câlins. Eh, pep, pep! Arrête de vouloir aller là. Réparer le collier. This was Sam's necklace. Oh! She never took it off. Ok. Récupérer le scanner. Ah bah, ok. Et t'es quoi une importante destruction? Ça n'a aucun sens. N'a jamais été une base avec tant de sauvagerie. Eh bien, sauvage. I don't know. I feel disillusioned, worried. I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan, for classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something. La bouffe, c'est important. La bouffe, c'est important. Voilà. C'est parfait. La version anglaise est mieux. She will never destroy your base. Bellessly. Bon allez, je dois partir. Lève ton gros cul, gros tas. Je me motive tout seul. Ok, on ne juge pas. Bonne motivation.
Est-ce qu'il y a des choses sur le côté? C'est un beau bestiau celui-là. C'est un beau bestiau. C'est un très beau bestiau. Bah, on prend, hein. On prend. On va activer l'ascenseur après. Lubrifiant, tiens. Fil de cuivre. On va prendre l'ascenseur après. Ok. Récupérer du verre. Ok. Ah. Un fragment de manchouné espion. Quitte à avancer. Ouais, allez, vas-y. Je prends. D'ailleurs, là, il n'y avait rien. Hein. Non. Donc, on est bon. Ici. Ok. Oh, il y a une papatte. Il y a une papatte. Une papatte de bestiole. Oui. Ok. Ils sont venus récupérer un ongle, c'est ça? Griffe de créature gelée. Ça avait l'air d'être une sacrée papatte. Hein. Bon, ça avait l'air d'être une sacrée bestiole en vrai aussi. Ça avait l'air d'être une sacrée bestiole. Et ils étaient en train de creuser, pourquoi? Pour voir jusqu'où elle allait. Bon bah c'était un beau bébé tout ça, hein. Ça avait l'air d'être un beau bébé. Ça avait l'air d'être un très très beau bébé. Hop là. Hop, hop, hop. Oh! Intéressant. Ok. Waouh. Waouh. Je go manger, je re après. Je vais faire une pause FF14. Y a pas de souci. Crâne de Léviathan gelé. Il y a beaucoup de place pour un cerveau, mais il y a surtout des os et de la graisse. Griffes de Léviathan gelé. Les griffes ont évolué pour pouvoir adhérer à la glace. Donc ça, c'est une bestiole qui était spécifiquement faite pour se balader sur la glace, pas spécialement dans les profondeurs. Dents de la créature gelée. Alors attendez, d'abord on a ça. Dents de Léviathan gelé, dents pointues, capables de broyer la chair et les os. Le Léviathan gelé. Nous avons découvert cette chose dans un glacier. Quelqu'un s'est fait une belle frayeur. Effectivement, il a une belle forme, hein, bien vénère. Un beau bébé, très beau bébé. Il y a un millénaire, cette créature se promenait dans les environs et a traversé la glace. Elle a été infectée par la bactérie Kara, à l'origine d'une maladie mortelle qui a causé la perte des architectes et éradiquer la quasi-totalité des formes de vie sur la planète. Difficile de savoir si les pustules de Kara mutées ont provoqué la mort de la créature. Après que l'enzyme a été libérée sur 4546B, la bactérie a été complètement éliminée. Il n'a été possible d'en récupérer une source vivante que par le biais de ce spécimen rare. L'étude approfondie de la bactérie a été confiée au laboratoire Omega, qui bénéficie d'un niveau de sécurité accru. Quant à la créature, elle fera l'objet d'autres recherches sur le site d'excavation. Tiens, d'ailleurs, on n'avait jamais regardé le Léviathan Télébru. Ah, tiens. Vous allez jouer ensemble sur FF? C'est trop bien. Léviathan Ténébreux. Léviathan massif, faisant plus de 60 mètres et qui semble être étrangement issu de plusieurs branches évolutives. Tête en forme de pelle, le crâne fuselé du Léviathan Ténébreux l'aide à fendre l'eau pour approcher sa proie. Sa peau lisse cache une carapace épaisse sur sa tête qui lui sert de bélier, repoussant les autres Léviathans ténébreux pendant la période de reproduction. Pattes segmentées, recouvertes d'un épais exosquelette segmenté similaire à celui d'un arthropode. Le Léviathan s'en sert moins pour se propulser sous l'eau, il préférera sa queue en forme de lame que pour chasser. Ses épaisses pattes se referment sur sa proie pour former une cage, tandis que son puissant exosquelette protège le tissu sous-jacent de toute blessure pendant qu'il se nourrit. Tube digestif bioluminescent. La bouche du Léviathan ténébreux conduit directement à son tube digestif, qui sécrète un composé hautement acide sur sa proie.
Cette cavité bioluminescente attire le phytoplancton à la recherche de lumière, qui attire à son tour de plus gros poissons. Analyse, menace extrême, à éviter tout prix. Ok, ok. Et du coup, on n'a pas encore étudié le Léviathan qui est plus simple, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de buter en fait, en vrai. Alors, voyons voir ici. Quoi ? On peut injecter un échantillon, quoi ? En attente. Hein ? Hein ? Faut que j'aille, faut que je fasse quoi ? Qu'est-ce que... Quoi ? On va voir. Hein. Pourquoi il y avait un truc bizarre dans l'échelle ? C'est peut-être le reflet. Tu veux que je fasse quoi ? Puisses-tu l'infecter ? Pustule infectieuse de Kara. D'après les conditions environnementales et les mutations subtiles, la vitesse de transmission de cette variante de la bactérie Kara est inférieure à celle de l'épidémie, qui a sévi sur 45-46B. Dans la mesure où la bactérie est capable de survivre dans le corps du Léviathan sur une période prolongée, il est probable qu'elle possède des propriétés saprophytes exceptionnelles. Les analyses indiquent que les pustules ne constituent que la partie visible d'un réseau bactériologique dense, se nourrissant des cellules mortes des Léviathans. En dépit des risques encourus, il convient de continuer la recherche. Je sais pas, je dois piquer un morceau de pustule là. Je ne sais pas ce que je fais. C'est... Aïe. Aïe. Faut que je récupère quelque chose. Je suis censé récupérer un morceau de pustule, comment je fais? Je suis censé récupérer un morceau de pustule là ou bien? Je comprends pas. Nécessite un récipient injectable. Ouais. Mais comment est-ce que je fais ton récipient injectable? En attente. Regarde la map. Regarde la map. Alors attends, qu'est-ce que j'ai débloqué comme truc? Qu'est-ce que j'ai débloqué qui me... qui l'excite? Ah, le lit de Parvan, ok. Alors attends, c'est dans... Tap tap tap... Non, pas données extraterrestres... Technologie... Non... Non, pas technologie, survie, non... Non, c'est dans recherche... Journaux et communication peut-être... Mémo et divers... Tu as mangé mon amour? Pas du tout. Pas du tout. L'efficience infuse. Non. Non. Effectuer la ronde. Non. Rapport de surveillance. Non. Carte. Ici. Donc en gros, il veut que j'aille quelque part pour envoyer un pingouin, quoi. C'est ça? C'est un manchouné espion. Faut que je trouve cet endroit-là pour envoyer un manchouné espion. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Par contre, comment est-ce que je reconnais cet endroit-là? Je sais même pas où je suis. Je sais même pas où je suis. Je ne sais même pas où je suis. Vu...
devoir sortir. Va falloir que je trouve un endroit où je peux faire mes muses avec le manchouné espion. Je vais boire un coup. Hop, hop. Voilà. Là, je suis dans une grotte, mais je n'ai aucune idée d'où je suis par rapport à la map dessinée. Oui, non, ça, on est venu. C'est juste que la porte se referme. Ok. Ok. Welcome aboard, Captain. Je suis ici. Il y a ça là. Alors attends. Non, c'est là. Je suis ici. Donc il faut que j'aille en face. Concrètement. Faut que j'aille en face. Ah, salut. Voilà. Meurs, meurs. Non, tu lootes pas. Il ne loot pas. Il y a des choses par là. On va les voir. Poparapapam. Ok. Ok. Oh! Module de saut du Snow Fox. Oui, si on fait le Snow Fox, peut-être. Batterie, bon, soit. Non, c'est ramasser la neige que j'ai vu, d'accord. Hop là. Alors, on vient par là. Ça doit être par ici quelque part. Ça doit être par ici quelque part. Bonjour. T'es agressif envers l'exo ou pas? Ouais. Hein. Allez. Comme ça, on laisse les bébés tout seuls. Les bébés, ils ont pas l'air agressifs. Je suis sûr que ça se passera très bien pour eux. Voilà, on tue les parents. Parfait. On va analyser le petit bébé. Voilà, on l'a libéré du joug parental parce qu'on est quelqu'un de bien. Bien sûr. Bien sûr. Inventaire plein. Oh, bordel. Bordel. Là il m'en faut que 4. Tac, 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 tac. C'est vrai qu'on a récupéré énormément de bordel. On a récupéré énormément de bordel. Hop là. Donc on y est, hein, on se fait plaisir, on récupère tout ce qu'on peut. Hein. Je sais pas si j'en aurais besoin pour d'autres crafts. Je vois que dalle. Je vois que dalle. Voilà, mieux. Papa la papa. Où est-ce que je suis? Wop. Non. 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 Non, non, non. Je n'irai point là-bas. C'est donc par ici. On va y arriver. Déjà, il y a du loot. Ok.
Là. Argent, cuivre, argent, cuivre. Ok. Et on va devoir poser notre petit zozo pour qu'il aille balader. Ouais, ça doit être ici, hein. Je sais pas si c'est ici, mais bon. Vas-y. Camarade. C'est parti. Ah. Magnétite. Ok. Ok. Donc c'était pas là. Ce n'était point là. Mais j'ai récupéré deux de magnétite. Ce qui est déjà fort satisfaisant. Coucou. Hop hop. Hop. Hop là, on est bon. On vient par là. Donc ce n'est a priori pas par ici. Ce n'est a priori pas par ici. Inventaire plein. Bon. Pas grave. Aïe. Ça va. Ça craque un peu, mais ça va. Hop là, allez, c'est reparti. J'ai un poil de chat. Ça, ça va être l'autre entrée de la grotte. Attendez, que je me repère. On doit être quand même pas très loin de là où on doit être, hein. Ça, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est en dessous. Ça doit être peut-être en dessous. Genre par là. Genre par là. Ouais, ouais, Jackie. Je vais pas te tuer. J'en ai pas besoin. Donc sois gentil. Me cherche pas. A priori non. Je ne suis pas au bon endroit. Juste ici. Et du coup ça y est, tu t'es débarrassé de l'architecte. Pas encore, pas encore. Là je suis en train de chercher le dernier composant qui est la peau et qui à mon avis est par ici parce que au fond je pense que c'est la zone finale, donc probablement pour crafter le corps vu qu'on n'a pas trouvé comment crafter le corps. Donc on va venir d'abord ici, hop là, antidote. Ah, she was going to use this antibacterial agent to neutralize the bacterium. Ok. Est-ce qu'il y a des choses incroyables ici? J'ai pas l'impression. Fais le petit tour, hein. Ah, par là, il y a quoi? Non, c'est juste des ressources. Bon, la magnétite, c'est cool, hein. Un robot pingouin, mais oui. Un robot pingouin. Et il y a des passages où, du coup, tu es obligé d'utiliser le robot pingouin. Tu ne peux pas faire autrement. Niveau d'infiltration et niveau d'affinité. Attends, c'est quoi ça? Ah. Attends. Attends. Tout va bien. Tout va bien. Ah, il fait bon ici. Oh là là. Oh là là, c'est bien. Tout va bien. Tout va bien, je n'ai jamais eu froid. Je n'ai jamais eu froid. Voilà, tac.
Tu peux utiliser pour infiltrer des nids. Des nids des grosses bestioles? Des trucs à fourrure là? C'est ça? Oh, oh, c'est intelligent. C'est intelligent. Hop là. Bon bah on y retourne hein. Nom de pingouin. Ça sert à quoi d'infiltrer les nids de pingouins? Je vous autorise tout à fait à me spoil, à me backseat. Enfin, pas à me backseat parce que backseat ça va me saouler. Par contre, vous pouvez me spoil sans souci. Je suis à la fin du jeu et ce que je n'ai pas fait, je ne compte pas spécialement le faire. Là, j'aimerais finir en fait. Je suis en train de partir dans la mauvaise direction, non? Donc, vous pouvez me dire, hein, pour récupérer un pingouin ami. Ah! Attends, il y a des choses là derrière. Coco, tu me prends pour qui? Je vais trouver un moyen de passer. Ah. Je vais trouver un moyen de passer. Ah! Voilà, je suis heureux, je suis passé ici. Est-ce que ça change ma vie? Je n'en sais pas. Mais je suis passé ici. Voilà. Je suis passé là. Et là, c'est le moment où tu te sens triste parce que tu peux plus ressortir, c'est ça? Non. 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 On sait pas softlock, voyons. On n'est pas stupide, on n'a pas fait ça. On peut pas forcer le glitch, hein, bah non. Ça sent le softlock un peu quand même, hein. Ah, ça sent un peu le softlock, hein. Ça sent un peu le softlock. Ah, bah, 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 voilà. Le talent, le talent. Tout était contrôlé. Tout a toujours été contrôlé. Depuis toujours. Depuis toujours. Vous n'avez rien vu. Tout va bien. C'était voulu. C'était voulu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout est normal. J'ai fait la même. À toi aussi, t'es venu en prawn ici. Oui, alors sachez que normalement, le jeu vous demande de venir ici avec le Snow Fox. Donc un espèce de hoverboard. Mais la flemme. La flemme parce qu'il faut que je fasse un truc pour le crafter, tout ça, j'ai pas envie. Et que franchement, le prawn. Le prawn, quoi. À quel moment t'as envie de pas aller te balader en prawn? Enfin, voilà, le prawn. Je ne vois pas comment tu peux te dire à un moment donné, non, je vais tester l'overboard. Quoique si, t'as envie de... Ah, si, pour tester l'overboard. Mais ça me demande de le craft et j'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai pas envie de le craft. Je sais même pas s'il est bien du coup. Donc en vrai, il est peut-être très bien. Hein. Si ça se trouve, l'overboard, c'est incroyable. Hein. Ça t'aurait donné l'occasion de rentrer dans un viewer de plus. Je sais pas si on peut renommer le Snow Fox. Ah, c'est un véhicule, donc probablement que si, ouais. C'est vrai. Oui. Oui. Pa-da-pa-pa-pa. Un peu lent mais rigolo. Ok. Ok. L'injection. Et du coup on tue. Bam! Parapapapa! Victoire!
doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Voilà, donc la bactérie est définitivement crevée. Putain. Voilà. C'est quoi ce truc, un gros léviathan? Tout à fait, c'est un gros léviathan qui en fait est mort il y a des millénaires de ça. Au moment où la bactérie, parce qu'en fait dans le 1, tu apprends qu'il y a un problème avec une bactérie qui s'appelle la bactérie Kara, qui en fait menace toute forme de vie, ça bute tout. Tout ce qui est infecté meurt de la bactérie, ce qui n'est pas incroyable, hein. C'est pas exceptionnel quand même, hein. C'est pas foufou. Et notre sœur en fait est une scientifique qui est venue bosser sur cette station, sachant que dans le 1 on arrive à résoudre la crise de la bactérie, parce qu'on trouve un léviathan qui est capable de produire une enzyme qui la détruit, ce qui est vachement pratique, hein, parce que concrètement c'est un antidote. Et donc du coup, après que les événements du 1, l'entreprise Altera est venue ici, s'est rendu compte que il y avait ce gros léviathan qui était congelé et qui venait d'une époque où la bactérie était encore là, il y a des milliers d'années du coup, et que en fait elle s'est dit, bah, elle est congelée, elle a échappé à l'antidote, parce que du coup l'enzyme qu'on a libéré a nettoyé tous les organismes vivants qui baladaient et compagnie, mais comme lui il est dans un bloc de glace, et bah, lui il n'a pas été forcément sauvé. Après lui il est congelé, donc il est mort congelé, hein, tout ça, mais la bactérie est capable de survivre à ça. La bactérie se nourrissait des cellules mortes de Léviathan congelé, et donc elle était toujours vivace, elle était toujours là, en mode YOLO, tout va bien. Et les scientifiques se sont dit, ah tiens, on va faire des petites tests dessus, on va créer des trucs, ça va être rigolo, en jouant avec ça. Et en fait, non, c'est con, c'est non. Et donc notre sœur, en fait, elle a tout fait pour essayer de détruire la bactérie, de détruire les installations, pour empêcher qu'on vienne travailler sur la bactérie et qu'on fasse de la merde, concrètement. Ce qu'elle a réussi à moitié, puisque du coup, elle est décédée en faisant ces efforts-là. Elle s'est fait tuer quoi en gros là-dedans, donc bah du coup bah elle est décédée, mais nous on est venu et on a fini la tâche parce qu'elle avait réussi à faire, parce que c'est quand même une bonne scientifique biologiste notre sœur à la base, elle a fait l'enzyme qu'il fallait pour le soigner, et puis l'avait caché, enfin pour le soigner, pour tuer la bactérie, et donc nous là on vient de récupérer la bactérie et on vient de l'injecter dans le cadavre de la bestiole, sachant que c'est un espèce de champignon géant, en gros c'est un espèce d'énorme réseau mycélien, la bactérie, donc en fait tu touches une des bactéries et voilà, t'as tout qui est parti. Et t'as la recette maintenant? Oh, antidote, ça va me servir à quelque chose, c'est ça? T'es en train de me dire que ça va me servir à quelque chose? Non, même pas, juste tu as la recette et tu peux faire chier du coup Altera en disant moi j'ai la recette, chachacha, moi j'ai la recette, chachacha. Ah, si tu la perds, ah, faut le faire quand même pour la perdre. Bon après, tu sais, sur le papier, techniquement, tu peux faire chier Altera maintenant. S'ils ont gardé un échantillon de la bactérie quelque part, tu peux dire, bah non, l'antidote, niquez-vous. Non. Non. Et on va pouvoir repartir. Donc notre sœur, c'est fait. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont évacué l'installation? Ils sont tous morts ou ils ont gardé l'échantillon? Alors le truc c'est qu'en fait notre sœur a sabordé toute la base en fait, donc elle a planté le laboratoire, elle a fait collapse l'endroit où elle bossait, enfin elle a bien bolos l'installation, elle a vraiment tout pété. Et bah ici il fait quand même très froid, donc c'était pas une très très bonne idée de survivre ici sans le froid. Et vu que c'était un peu un gros fiasco et tout, Altera a un petit peu balayé le perron en disant non non y a rien, allez vous bah vous allez faire autre chose hein. Et donc du coup ils ont pris les scientifiques, ils les ont emmenés ailleurs en mode non non mais c'est bon, y'a plus rien à voir. L'éco-terrorisme à son paroxysme.
Ouais, mais en même temps, c'était vraiment une connerie hein, de jouer avec ça. Ils sont tous morts les scientifiques? Bah non, puisqu'il y en a une qui nous envoie des messages au début. Au début du jeu, il y en a une qui notamment nous envoie des messages et qui nous dit, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais sachez que Altera a dit que c'était sa négligence qu'elle était morte et que c'est pas vrai. Ils sont pas tous morts. Ou alors c'est la bactérie qui a peut-être tué certains. Par contre, il y en a peut-être certains qui sont morts à cause de la bactérie par contre. Vu qu'ils tripatouillent une bactérie ultra dangereuse. Un truc qui tue tous les organismes que ça rencontre. Ouais, non, c'est pas fun. C'est pas la meilleure idée de jouer avec. Bon. Je suis où? Sachez que je n'ai absolument aucune idée d'où je suis. Je crois que je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu ici, mais je crois que je m'en fous parce que l'alien m'a rien dit du genre « Hey, il y a un morceau de corps pas loin. » Donc, Osef. Il n'y a que la madame en photo avec ta sœur qui a survécu. Donc, il n'y a que la scientifique qui nous parle au tout début qui a survécu. D'accord. Ok. Mais du coup, pour que ma bactérie se soit répandue, pour que la bactérie soit répandue sur plusieurs mondes, c'est les architectes qui sont responsables du transit. Et oui, c'est ça le problème, c'est que les architectes sont tombés dessus. Et comme c'est une bactérie qui infecte tout, et ben les architectes baladaient. Puis quand ils s'en sont rendus compte, c'était un peu tard, quoi. Base Logan, base tendue. Ouais, non, c'est par là que je dois aller. Ouais, c'est par là que je dois aller. Donc effectivement, c'est comme ça que les architectes sont morts en vrai. Hein. De ce qu'on sait, les architectes sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à nettoyer la bactérie. Ils ont mis les mondes en quarantaine, les mondes qui avaient la bactérie, mais a priori, eux, ils y sont passés. Ou en tout cas, une grande majeure partie de leur peuple y est passé. On sait que en soi, tous ne sont pas morts, puisque là, notamment, on en a récupéré un. Par contre, les planètes qui étaient infectées sont quand même dans un état assez monstrueux. Par exemple, ici, notre premier survivant était... Ah, il te répondra à la fin du jeu. Ah, donc il y en a peut-être d'autres, tu vas me dire. Ok, on va voir alors. Bah, on va essayer d'atteindre. En vrai, je pense qu'il ne reste pas beaucoup pour arriver à la fin du jeu. Hein. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup. Tout ça parce qu'ils ont réussi à combiner un piment avec une anémone. Bande de noobs. C'est vrai. S'ils avaient réussi à faire ça, ils auraient été sauvés. Ils auraient été sauvés. Mais ils ne l'ont point fait. Et c'était con. Alors, alors en vrai, en plus, non, c'est pas tout à fait ça. Parce que la première enzyme, c'est le Léviathan qui l'a fait. Et en fait, le truc, c'est parce qu'ils étaient trop en mode, on va tester. Et ne pas écouter, ne pas parler avec le Léviathan et compagnie. Ils n'ont pas compris que c'était une conscience. Et qu'en fait, fallait bien le traiter pour que ça se passe bien. Oui. Attends, j'ai pas ouvert le pont, c'est ça? Non. Oui. Hop là. En vrai, j'ai peut-être un peu trop de trucs. Mais j'ai envie d'ouvrir un coffre. Je vois un coffre, j'ai envie d'ouvrir. Ah, c'était incroyable. Ah. Ok. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Ok. Je présume qu'il peut attaquer un prone. Je vois pas pourquoi il pourrait pas. Donc ça me rend pas très heureux ça. Va à gauche en premier. Ah, car le Léviathan a une conscience maintenant. Où va le monde? Du coup, tu as gratuitement tué des êtres doués de conscience. Non, en fait, tu as au moins un type de Léviathan qui est un Léviathan doué de conscience. Qui est du coup le Léviathan qu'on a rencontré, qui était un bébé au moment où il a été mis dans le caisson prison marteleur. New blueprint synthesized. Ok. Qui était un bébé au moment où il était mis en confinement pour la recherche des architectes dans le 1. Alors tu m'as dit à gauche et je crois que je suis pas allé à gauche. Oh
Hop, hop, hop. Je crois que je ne suis pas du tout allé à gauche. Si, si. Là, tu es le plus à gauche. Ok. C'était pour voir le marteleur, c'est ça? Ok. Ça veut dire qu'il faut que je le crafte? Non, quand même pas. Alors par contre, je vois que dalle, les gens. Je vois que dalle. Que dalle. Mais alors, code bien, bien comme il faut. Hein. Pas obligé? Ok. Il m'a dit nord-ouest, c'est ça? Marteleur et créature qui creuse des galeries sous terre, ça m'évoque Dune. Amuse-toi bien. Bah, l'idée là, c'est très clairement. Attends. T'as pas voulu que je scanne un truc? Ou j'ai rêvé? Non, non, bah non, je suis dans la combinaison, il n'a pas pu me dire de scanner un truc. Le but du jeu, ça va être de l'attirer à un endroit. Par contre, le verre est attiré par les vibrations. Ouais, ça, j'ai bien compris. Et étonnamment, je présume que ce que je fais, fait ça. Fait des vibrations. C'est joli, hein, en vrai. Au pire, suffit de lui montrer quel patron. Oui. Putain, mais la neige, quoi. La neige, la nuit. Ah. Un truc alien. On est dans le bon sens. Je t'ai entendu, je m'en bats les couilles. On rentre, ok. J'aime beaucoup le style du coin. Ah ah. Où est la zone alien? Il y a une petite grotte avec une trentaine de... Pardon, une trentaine de cubes ioniques. Mais non. Genre là, le truc avec le pingouin? La blague? Allez! Non, d'accord. Je veux monter. Bon, tant pis. Par où est-ce que je suis censé passer? Hop, hop, hop. Salut! Salut! C'était sympa! On l'a vu passer, genre salut. Ah, pas ici. Non, non, je suis pas là. Monte les échelles. Hop, hop, oh. Ah, mais tu peux me prendre ici aussi en traître, mon petit salaud. Hop, hop, oh. On va passer par là. Hop là, allez. Ta 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 ta. Techniquement, j'ai monté les échelles. Est-ce que c'est malin de descendre avec ça, avec le prône? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Bonjour. Ok.
Insérer un cube bionique. J'en ai pas. Lol. Ah, par contre, par ici. Oh oui! C'est comme dans le 1! Les ascenseurs des architectes, c'est trop cool. Ah ah! J'ai fait des lasagnes, elles sont au four. Bon appétit. On m'a dit qu'il y avait des cubes ioniques. M'aurait-on menti? M'aurait-on menti, monsieur? Le disque? Quel disque? J'ai raté un disque. J'ai raté un disque. La musique, c'est super important, on a dit. On veut la musique. La musique. Ah, oui. Take the drive. Il n'y en a pas par ici. Ah, merde. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas où je vais, hein. Mais j'y vais, hein. Mais j'y vais, franco. Là, pas de soucis, moi, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que c'est très très profond? Je pense que tu peux sortir par là. Et donc tu peux rentrer par là. Oh. Oh. Mais tu arrives où? Je pense que si je tombais sur des ruines avec un ascenseur comme ça, en vrai, je passerais au moins une bonne demi-heure à m'amuser là-dedans. Oui. C'est pas faux. Tu te retrouves où quand tu passes par là? On balade, hein. Tu peux pas... Ouais, il te faut le découpeur laser. Oui, je l'ai. Je l'ai. Mais après, si ça me fait un passage entrée-sortie, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Bonjour petit poisson. T'as vu, je ne t'ai pas tué parce que je suis gentil et que je respecte la vie. C'est genre très très long le passage par contre. J'espère que je ne vais pas mourir comme un caca en plein milieu dedans. Ça serait triste. Ce serait vraiment triste. Genre le plus triste de tous les trucs tristes. Et on arrive là. Coucou. Découpeur laser, découpeur laser. Ici. Hop là. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. 30 secondes, Billy. 30 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, beaucoup. Bah, ça devrait le faire, ça devrait le faire. On n'est pas très haut, on est à 50 mètres de profondeur. Ça va. Ça va. Mais bouge-toi quand même, bouge-toi, bouge-toi, Jackie. Voilà. Allez, salut. Mais attends. Mais je sais où on est. Ah, ah, non. Mais non. Quelques objets. On n'a pas la même définition du quelques objets. On n'a pas la même définition. Tu sais que si tu ranges ton outil, tu vas plus vite. Je n'y ai pas réfléchi. Ah oui, quelques objets. Je viens de les voir tomber. Non mais regardez-moi tout ça là. Ça va les quelques objets que j'ai perdus? Ouais, hein, quelqu'un. Heureusement que c'est que quelqu'un. Non, parce que j'aurais pu en perdre beaucoup quand même. Hein. C'est con. C'est con. Ah là là. Tiens, c'est quoi ça? C'est du cuivre? C'est du cuivre.
Et du coup, j'ai encore quelques objets qui sont perdus, c'est ça? Qu'est-ce... Ah oui, j'ai quelques objets qui sont perdus. Hein. Voilà, on va respirer. Il lui manquait rien en plus. Non mais ouais, j'ai été con. J'ai du mal avec le réflexe hein, de lâcher l'outil. J'ai du mal. Ce n'est pas instinctif chez moi. Je sais pas. Un peu con. Qu'est-ce que vous voulez? En même temps, si je faisais des choses au petit, bien comme il faut. Tu peux te vider dans le C-Truck. Oui, je sais. C'est prévu. Tu es un étrange affleurement, toi. Remarques-tu un léger problème, comme de la lévitation? Alors, revenons à nos moutons. Ici, on vient là, et on va crafter nos petits trucs. Quand même, histoire de... Made of tightly knit Kevlar microfiber and insulated with an alpine yoke around the neck and shoulders, the cold suit is designed to delay the onset of hypothermia. Tu aimes bien que j'ai plus de place, bah non. Inventaire plein, tu prends trop de place, t'es sérieux? J'ai pas commencé. Si, j'avais commencé à me vider là-dedans. Hop. Ça aussi. Un collier qui appartient à Sam. Alors c'est bien, mais pourquoi? Les gants prennent 4. Ok, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Ça, il me faut du verre du titane, la flemme. Le marteleur, la flemme. Le module de saut, la flemme. L'antidote, la flemme. Donc, nous avons gagné des gants qui donnent plus 10% de résistance au froid. Ouais, je préfère la respiration et donne résistance 50% au froid. Alors, l'autre qui me fournit de l'eau constamment, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais résistance au froid, c'est bien aussi. Après, il a tendance à me spammer de trucs d'eau. Hein. Il a quand même tendance à me spammer de trucs d'eau. Donc en vrai... Déjà, on va vider ça. Est-ce qu'on récupère de la... On n'avait pas mis de la bouffe de côté. Oui, dans le gros prawn. C'est vrai. Bon, tac, tac. Ça, du coup, on s'en... Car, hop, ici on va venir vider, ça je vais le garder, ça j'en ai pas besoin, puis voilà c'est bien, et on y va, on y retourne, c'est con, si j'avais su j'aurais embarqué des cubes ioniques, mais j'en ai pas pris dans le C-Truck, donc... Dommage. Le chat est en train de se glisser entre mes jambes, mais de manière pas du tout discrète et qui ne prend pas du tout de place. C'est trop mignon. Mon bébé. Il y en a un peu autour. Bah, c'est ce que tu me disais qu'il y en avait un endroit où il y en avait plein. On va essayer de trouver cette caverne. Allez, faisons le petit chemin retour. En tout cas, j'aime beaucoup ces cavernes de glace. Elles sont très très belles. Vraiment très très belles. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elles ont des reflets verts, par contre. Ça me perturbe. Enfin, je sais pas pourquoi elles avaient des reflets bleus non plus, tu vas me dire. Donc, boire. Alors oui, une fois que je suis sorti. Une fois que je suis à l'air libre, il n'y a pas de souci, j'irai boire. Peut-être les algues, ouais. Je sais pas. On dirait vraiment comme des veines de métal ou de joyaux dedans. C'est bizarre. C'est bizarre, mais pourquoi pas.
Allez, remontons jusqu'en haut. Ah, on y arrive. On y arrive. Voilà, parfait. Alors là, on va loot. Maintenant, on peut. Bon, pour des trucs qu'on sent, tape le coquillard. Genre bien. Genre bien. Il me semble que dans le vrai monde, ça fait ça aussi. Ah ouais? Ok. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste en algues. Ah, je suis déjà dans le truc de l'escalier. Je pensais que c'était peut-être un peu plus loin, mais non. Et nous voilà en haut. Et nous voilà en haut. Il y a encore quelques coffres que du coup je n'ai pas ouverts. On va essayer de trouver les cubes ioniques. Est-ce que tu as un conseil sur quel côté chercher pour les cubes ioniques, Apo? Je prends. Je prends. Par là-bas, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien. Vers l'entrée de la zone. Ah merde. Dans quelle direction est l'entrée de la zone? Dans quelle direction est l'entrée de la zone? Est-ce que t'es réparé, Billy? Non, pas découpeur. Outil de réparation. Ah oui, 60. Ouh oui, on va le réparer. On va le réparer, Billy. Zozo, on te répare. Et je n'ai plus à boire, quel enfer. Quel enfer, tant pis. Voilà, mieux. Welcome aboard, Captain. On va chercher. On va chercher. On va peut-être manger un coup. Hop là. Mieux. Alors. Salut. Tu perds 33% par attaque de la bête. Ah. Alors là, tu as quoi comme conseil? Plutôt à droite, plutôt à gauche pour chercher les... Ouais, les grosses bébêtes, hein. Pour chercher les cubes, plutôt à droite, plutôt à gauche. Si tu as un conseil, je suis preneur. Plutôt à droite. Ok. Non, c'est juste des minerais, c'est cool, mais... Alors... Je cherche une grotte. Et je vois que dalle parce qu'il fait nuit. Je n'ai absolument aucune idée de où je suis. Non, ok. On va balader, hein. À force d'aller à droite, toujours, je vais me retrouver au même endroit, on est d'accord. Comme un con. Peut-être pas une bonne idée du coup. En plus, j'aime pas trop aller à droite. C'est pas mon bord. C'est-à-dire peut-être une grotte, mais non, c'est grand ouvert. Mais non, Billy, mais non. Je suis pas là. Ouais, ouais, fais ta vie loin. Hein. Fais ta vie très très loin de moi, mon ami. Ah. Salut.
vois que dalle. J'aime beaucoup. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ah, je me coince dans le décor, génial. Est-ce que le jour peut se lever, s'il vous plaît? Je vois que... Suis la lumière verte. Quelle lumière verte? Tu vois une lumière verte? Tu as vu une lumière verte, toi? Non, mais le bizarre qui se lève. Mais non. Je vois déjà que dalle. Là, lumière verte. Lumière verte. Lumière verte. Lumière verte. Hop là, on va te réparer un peu, hein. On va te réparer un peu, hein, Zozo, on te remet un petit coup, hein, parce que là, quand même, Un peu là, on te remet bien. Va dans le sol derrière le prone. Je me suis douté. C'est pour ça aussi que je suis sorti. Je me suis dit qu'en vrai, il y avait moyen que ça soit par là. Voilà. Aïe. Non, mais tout va bien. Prends le prone. Ah. Zut. Allez, monte. Tu peux le faire, cocotte. Hop. Mais je fais que tomber. Du coup, là, je suis à pattes. Avec une bestiole qui sort du sol. Est-ce que t'es sûr que c'est la meilleure idée, Billy? Cours pour ta vie, car c'est le cas. Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, viens. Saleté. C'est par là. C'est par là. Allez, bisous, hein. C'était sympa, mais non. Bonjour. Ouh. Salut ici. C'est sympa par ici, dis donc. Grosse émeraude. Attends. Maintenant que je suis arrivé là, je vais fouiller. Oh, un cube. Ah. Non, on n'a rien à scan. A priori, non. Je fais mon petit tour, hein. Ah ouais, genre bon gros cube, quoi. Ok, je valide. Hop. Oh bah là. Oh là. Il y a une grotte avec trois fois ça, mais non. Plus loin, dans la même zone là? C'est énorme. Oh là, qu'est-ce que c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Vers le pont. D'accord. J'ai rien vu, hein. Je suis passé, mais alors en ligne droite, hein. Allez, on prend tout ça, hein. On fort, on prend tout, hein. C'est cool, on prend. Hop là. Hop. Alors, tu es plein, mon grand. Ah, putain, oui, c'est vrai que t'es plein. Hein. Il est plein. Il est plein. Est-ce qu'il y a des choses par là? Non, est-ce que ça je peux le scan peut-être? Ah, tiens. Composant d'architecte!
Ah bah c'est le tissu. That is a rough way to go. C'est une petite main. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should be? Aye. That does not happen. At least not since the fourth iteration. Plus depuis la quatrième itération. Quoi? I've scanned all the components we need to make a storage body. Are you excited? Using the chemical components available in your body, I am able to approximate what you might call cautious. Et non, j'ai plus à boire. Ok, on est bien. On est bien. Mais c'est tellement ça. Ah, les versions alpha, elles étaient un peu buggées hein, quand même. Par contre, comment est-ce qu'on retourne à l'échelle où on était il y a 5 minutes? Hop hop hop. Hop hop hop. Ouais, je suis pas là. Avance, gros tam. Avance, avance plus vite. Je ne sais absolument plus où était l'autre section. Je crois que c'est pas du tout par là. Je crois que c'est pas du tout par là. Mais où est-ce que je suis encore? Il peut venir par ici? Ah si, je sais où je suis. Je voulais monter par ici tout à l'heure. Et du coup, c'est un raccourci pour, pour repartir. Il vient pas sur la glace. Ah, ça c'est bien. Alors, par contre, c'est bien qu'il vient pas sur la glace. Mais où était le truc avec les échelles? Hop, hop, hop. Ouais, Billy. Ouais. Vas-y, casse toujours. Tu m'intéresses. C'est faux, il ne m'intéresse pas. Absolument pas. Je ne sais absolument pas où sont les échelles. Je ne sais pas dans la grotte. Celle qui est là à gauche? J'ai un sens de l'orientation, mais qui est nul. Hein. Ah si! Joli! 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 Merci beaucoup! Hop là. Merci beaucoup. Parfait. Je me suis perdu ici 2 heures, je connais. Ah bah tu m'étonnes, oui. C'était de la neige, c'est ça? T'as voulu me proposer de prendre de la neige? Ça ne sert à rien, on est d'accord. Pourquoi est-ce que je vois un truc? Oui, voilà, ramasser la neige. Je le sentais venir. Tiens, prends ton cucube. Ça m'emmène où? Tu peux prendre le prone ici. Ça m'emmène où? Voilà. Welcome aboard, Captain. Salut! TP, 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 TP. Où est-ce que je vais débarquer par contre? C'est la grande question. Où est-ce que je suis? Je suis ici? Le chat sort ta putain de griffe. Ah mais attends, mais je vais pas pouvoir sortir.
Je vais pas pouvoir sortir. Ah si. Oh, le filoutage. D'ailleurs, du coup, attends, dans l'autre sens aussi. Ah oui. Et du coup, question existentielle s'il en est. Il y a une caisse là-bas qui me dérange. Est-ce que je peux te bolos? Non, hein. Non, hein. Mais je vois les ressources. T'as le plan de fusée à gravité pour le prawn. C'est vrai. C'est vrai que je dois avoir ça. Il est vrai que je dois avoir ça. Ok. Ça, du coup, on dit qu'on s'en fout. Ça et ça, on s'en fout. Ça aussi. Et j'ai débloqué quoi? Ah bah oui, ça. D'ailleurs, on va les mettre de côté, puisque le but du jeu, ça va être aller tout au fond dans la zone de cristal, maintenant. Alors, voyons voir. Il va me falloir ça, ça, ça. Ok. Allez, on a dit qu'on me laissait passer. Merci. C'est gentil. Il te manque un truc précurseur à scanner, c'est tout. Il me reste encore un truc à scanner? Il me reste quoi? J'ai tout pris. Qu'est-ce qui lui manque encore? Bah, qu'est-ce qui lui manque? Un artefact? Ok. Et que du coup, il t'indique pas d'aller chercher? C'est étonnant. C'est pas pour finir le jeu. Ah! Ok. Bah je veux bien que tu me dises où c'est planqué. En vrai. Je veux bien que tu me dises où c'est planqué. Allez, on va rentrer dans cette Ziroy, hein. Pas loin du téléporteur. Que là on vient de quitter. Du coup. Ou il y a un autre téléporteur à l'ailleurs. Parce qu'il me semble que... The necessary components to begin constructing my body. Great. What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility? So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Ah bah, sounds ouais, a little okay. Beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Ils ont pas trouvé le vaccin. And construct the body. Okay, ils ont pas trouvé le vaccin. Don't think I don't notice you changing the topic. Il a pas conscience qu'il est seul. En vrai, il a pas conscience qu'ils sont morts. C'est super triste. Oh putain, il me faut des coraux. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez ici? Pourquoi vous êtes nombreux ici? Vous n'êtes pas en train de me bouffer mon énergie quand même. Ah non, vous abîmez mon... Eh, hop, 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 hop. Non mais hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bande de petits cons. Ils abîment mon sous-marin. Genre, tranquille. Tout va bien. C'est pas très très bien. Je vais juste essayer de crafter le canon et puis voilà. Il a passé quand même une bonne éternité seul sans que personne réponde à son SOS, donc ouais. C'est pas forcément que les autres sont plus là. Est-ce qu'il a la notion du temps? Oui, je crois que oui. Je crois qu'il a conscience qu'il y a passé beaucoup trop longtemps ici. Il me semble qu'il a conscience de ça. Hein. Où est-ce que je vais récupérer des coraux? À droite? Oh mais c'est tellement lent. Alors attends, maintenant que je l'ai éloigné de ses trous du cul, je vais sortir et je vais le réparer. Hop là, ouais, on va le réparer, hein, parce que non, mais non. Hein.
Non mais non. Voilà. Voilà. Bibili aussi. Zozo aussi, on te répare hein, quand même. Tant qu'on y est, on n'est pas des bêtes. Ah voilà, on est mieux. Alors, les coraux, ça va être dans cette direction, ça ira bien plus vite. Voilà, par ici. Voilà. Allez, des coraux, il y en a ici, il m'en faut deux. Hop là. Alors on en a un. Il m'en faut juste un deuxième. Ah, inventaire plein. Toi, tu me saoules, tu vas en prendre une. Hein. Hop là. Voilà. De l'or, on doit en avoir là-bas. Mais je ne suis pas sûr. Donc, on va essayer de trouver un morceau d'or par ici. Mais il n'y en a peut-être pas par ici des morceaux d'or. On n'a peut-être pas des morceaux d'or par ici. Ouais, j'ai pas l'impression de voir des morceaux d'or par ici. Par contre, là-dedans, il y en a. Là-dedans, je sais qu'il y en a. Si vous venez me saouler, je vous bute. Vous venez me saouler, je vous tue. Hein. Ouais. Hein. Ah tiens. T'es venu me saouler. T'es venu me saouler, Coco. Je t'avais dit non. Voilà. Je l'avais dit, hein. Je lui ai dit. On est d'accord que je l'ai prévenu. Voilà, tiens, mange ça. Parfait. Ensuite, on retourne au véhicule. Au fait, la VOD, ça fait un peu trop longtemps. Petite VOD, petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là. On s'arrête là pour cette VOD. Merci d'avoir été là. Tu trouveras en description de la vidéo YouTube strictement tous les liens importants. Et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.